J'appréhende un peu hein, parce que ça va durer longtemps, bien plus longtemps que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais on va essayer de se soutenir surtout. J'ai pas l'habitude de faire des sports d'équipe. Je fais toujours des sports individuels. Donc moi, mon appréhension, elle est un peu à ce niveau-là du collectif en fait, parce que j'ai pas l'habitude. Pour ces deux sections, les casques d'olive et les combinaisons ne seront pas obligatoires. Nous, on aura à cœur de notre très jeune expérience, en tout cas, de l'accompagner du mieux qu'on pourra. Et on a hâte de voir, en tout cas, comment ça va se passer pendant le raid. Et voilà, on va rester soudés dans tous les cas. Parce que là, du coup, il y a pas de sac. Et pour info, j'ai un bon crème solaire. Flo, t'as un sac là que tu ramènes? Si vous voulez, hein. Eh ben, je souhaite qu'on finisse à 4, parce que ça c'est vraiment, je pense, l'objectif principal. L'objectif aussi serait peut-être d'arriver en full race, après on va voir si ça peut se faire ou pas. L'objectif c'est de s'éclater aussi, parce que bah, on l'attend depuis un petit moment cette course, et c'est maintenant. Le sifflet, la lampe frontale. Ouais, samedi soir juste, et comme ça le plus fait. Par personne, oui. C'est ça le plus dur de la préparation, c'était se retrouver et s'entraîner ensemble. On en a dit actifs tous. On avait un peu plus de contraintes qu'on n'avait pas il y a tous quelques années. Je pense qu'on était étudiants, on était en vacances, c'était facile. Donc on va se faire plaisir. Ça va être génial, c'est clair. Là-dessus, ça va être... On va en prendre plein les yeux. À l'image de cette toute fraîche équipe, qui a pour objectif de faire le parcours dans son intégralité, la fameuse full race, elles vont être 38 à prendre le départ de cette 11e édition, après un si long tunnel d'attente pour venir savourer ce nouveau Raid in France. Le choix d'un territoire d'aventure unissant les deux Savoies a mis en appétit une communauté très élargie, pleine d'impatience de cette renaissance. Premier ingrédient, mise en jambe pour démarrer la fête, un prologue qui donne des libertés inhabituelles. Notre packraft en fait est déjà crevé avant le départ, alors qu'on l'a testé hier après-midi. Et en fait, on pense que juste en le portant, il a juste le fait de ramper au sol, il est crevé. Donc on est un peu dégoûté parce que ça fait 2 ans qu'on se réjouit pour cette section kayak. 5, 4, 3, 2, 1, go! L'idée était qu'à Bourg-Saint-Maurice, on a ce qu'on appelle les marais, qui sont des endroits assez sympas. Et on a imaginé une course d'orientation mixte à pied et packraft. Donc il y a quelques balises à aller chercher sur la terre, quelques balises à aller chercher sur l'eau. Et puis après, se rendre à la base de rafting pour pouvoir embarquer sur l'Isère. C'est à eux d'organiser leur épreuve comme ils l'entendent. Donc je pense, sur ce que j'ai pu entendre, que beaucoup partiraient au moins avec les bateaux gonflés. Voilà, ce que j'avais pas prévu du tout au départ. Ah ouais, c'est original, partir en ville avec les packraft sous le bras, c'est une première. Raid in France, siempre es un raid de referencia, que buena organización, recorridos técnicos, bastante salvaje. Y bueno, y esta vez en los Alpes, pues tenía que ser un paisaje muy bonito. C'est le raid, nous, on se régale le plus parce qu'il y a un défi physique, bien sûr, qu'on retrouve dans les autres raids internationaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au niveau technique, c'est inégalable. En France, c'est vraiment le raid long de référence. On aime venir là parce que voilà, c'est là qu'on va être le challengé au maximum. Et du coup, ça fait 4 ans qu'on l'attend celui-là parce qu'on était à La Réunion il y a 4 ans et ça fait 2 ans qu'on est inscrit. On est super heureux de retrouver toute la famille Riff et de se retrouver tous les 4 ici.
Moi, je raterais pour pas grand chose au monde les tracés de Pascal. On sait que c'est technique, ça va être tout ce que moi j'aime en tout cas. Pas beaucoup de kilomètres, mais du qualitatif. Ouais. Ça fait un paquet de fois que je reviens, mais après, dans la tête, je me sens encore, on va dire, à pouvoir utiliser tout ce qu'on a déjà vécu, mais avoir vraiment envie, quoi. Et puis aujourd'hui, ben, il y a plus de nouveaux, ben, il y a ce renouvellement qui se fait. Et oui, moi je me dis, ben, là, je suis tout doucement, je commence à être un dinosaure qui va à la vitesse d'un dinosaure, mais malgré tout, qui est toujours heureux d'être là. Cette course-expédition, non-stop, sans assistance, se dispute par équipe de 4, avec au minimum une féminine par équipe. Pour cette édition, on note que 6 sont capitaines. Pour toutes les équipes, partir d'un point A, aujourd'hui, place de la mairie de Bourg-Saint-Maurice, s'orienter sans GPS, uniquement à la boussole et l'altimètre, le roadbook et des cartes aux 50 millièmes, pour arriver à un point B, la Riviera d'Aix-les-Bains, dans 4 jours et quelques heures pour les premiers. Une expédition de 400 km, en 12 sections, pour 128 km de VTT, 112 de trek, 107 de kayak et de packraft, sans oublier 16 500 mètres environ de dénivelé positif, le tout suivant la qualité de ses choix d'orientation. Bref, une progression évaluée d'un peu plus de 90 heures pour les premiers, plus de 140 pour les derniers, avec une obligation de repos, au minimum 8 heures de sommeil, pris par tranche de 30 minutes, sur les points de contrôle. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a rien, il n'y a pas de piège. J'ai rien vu comme recommandation, non. Start, A, on descend, il n'y a pas de piège. AT1 sans tronc, c'est tout bon. J'aime pas, ouais. Là, il y a un bateau qui passe tout seul. Là. Ça va ? Il nous manque notre bateau qui est passé, là. Il y a un bateau, là. Ah oui, il y a eu un bateau passé, ouais. Ouais. Et vos collègues, ils sont où ? Ils sont là. Dès que tu veux. Ouais. On a fait retourner, et puis... une pagaie qui est partie, nos coéquipiers nous ont récupérés, puis il y en a un autre qui a chaviré et le bateau est parti. Donc il est rapide quoi. Et bah là ça va être compliqué ouais pour l'instant. On s'est un peu pris dans les rapides et voilà. Elle est pas facile cette rivière. Ah non, elle est pas facile non. Une première section de packraft tient toutes ses promesses. L'Isère, une rivière célèbre, pas seulement pour les championnats du monde de canoë et kayak. Elle offre un parcours toujours engagé pour tous les adeptes de raft et de kayak. Des passages de classe 3, voire 4, suivant le niveau d'eau. Des noms de rapides que l'on garde en mémoire du côté d'Em, la virgule, la salle à manger, le dessert, la machine à couper le jambon, sans oublier les moutons, pour atteindre le saut de la pucelle. Une navigation exigeante qui demande concentration et technique. Une bonne lecture de la rivière fera la différence pour les équipes plus aguerries.
les Panthères d'Absolu Raid sortent en tête. Et après, on dira pas que les Panthères aiment pas l'eau. Hein. Ça, c'est roadbook. Roadbook. En français, deux jeux de cartes. Deux jeux de cartes pour tout le début du raid, c'est ça? Ouais. Tout est étanche. C'est la partie. Ah, c'est des. Ouais, c'est étanche parce que je suis trempé. Sur la première ère de transition, toutes les équipes reçoivent les cartes et le roadbook de la moitié de la course. L'analyse commence. Les équipiers savent le poids de la responsabilité qui pèse sur chacun des orienteurs. Lancer son équipe sur le bon chemin qu'il faudra, à tout moment de la progression, savoir confirmer, ajuster, remettre en question. Une pression continue qui se partage souvent suivant le degré de forme de l'orienteur, dont le cerveau est en suractivité tout au long du raid. Il faut que le CP2 il se situe maintenant ici, c'est ça ? Muy bonito, muy divertido, mucha agua, muchos rápidos. Lástima que no podemos repetir otra vez. Was very fun, very fast. I like it very well. Nous, on part maintenant. On a cassé une pagaie. Du coup, on n'a pas pu faire les rapides M. Donc, on recommence la course maintenant. Mais on est au taquet. C'était un beau début de course. Un beau prologue déjà. La rivière trop belle. Hâte de voir le VTT là. Il faisait chaud quand on est parti, c'était un peu dur. Mais maintenant il fait plus frais. C'est le début un peu difficile. Ça crampe. On est encore dans l'introduction. Le développement va arriver et va être pertinent. Là, l'introduction, on a du mal à la faire pertinente. Quoi ? Tu veux que je sois en bus de l'eau ? Non, j'ai pas bu là, c'est bon. Mais ouais, un petit peu dur, début un petit peu dur, mais c'est long, donc on a le temps de corriger les problèmes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un riff. Pas très détaillé. Il faut un petit temps d'adaptation. C'est pas hyper dur, mais bon, il y a plein de sentiers et sur une échelle à 50 millièmes. Entre les sentiers qui existent, ceux qui n'existent pas et la taille des sentiers, c'est pas mal. Les vraies fraises. Bien meilleures que les fraises Takeda. Voilà, ça c'est du raid ça. Au petit matin, après 15 heures de course, dont les trois quarts passés sur, à côté ou sous son VTT porté, pour certains passages, le soleil est au rendez-vous, du côté des Arcs, et son grand domaine de pistes de ski. Ces dernières ne sont pas pour autant d'une navigation évidente, et se transforment pour certaines équipes en jeu de piste. Sous le regard lointain et ennuagé d'un Mont Blanc qui se dévoilera, par petites touches, à ceux qui le chercheront tout au long du raid. Chacun saisira sa petite part de magie et de majesté. Ah, où tu veux faire toute la file ? Sur la carte 50 000. Donc effectivement, c'est toujours difficile de se mettre dedans au début du raid. En plus, il y a toujours le fourmillement du départ où tout le monde est un peu énervé, tout le monde veut partir vite. Et du coup, c'est difficile faut se concentrer, se mettre dedans. Reprendre un peu les notions d'échelle, où un centimètre, c'est déjà 500 mètres, donc ça passe doucement. Et puis après, se recaler beaucoup avec le tilt-mètre, les boussoles, etc. Et au final,
qu'on a compris quel détail manquait à la carte, qu'il fallait se repérer par rapport au relief, par rapport à l'altitude, l'orientation, etc. Ça, voilà. On arrive à se recaler et plus ça va dans le raid et mieux ça se passe. La 4 ici, ma poule. Ah, vas-y. Eh bien, nickel, dans la poche. Le pocket. Ah oui, on peut rester sur la piste, sinon il y aurait le petit sentier. Mais c'est super beau. Non, c'était dur, ouais. En plus, on a des collègues là qui a un peu mal, donc qui a mal au ventre, qui n'arrive pas à manger. Donc on s'est pas mal arrêté. Mais on est arrivé. On va se reposer et puis prêt à repartir. C'est tellement facile. On est sur 54 km. Avec 4005 dénivelé. Avec quelques parties qui vont être ludiques, avec un petit peu de glacier, donc crampons, piolets, chaussures d'alpi qui prend un peu de poids, une petite corde aussi à transporter pendant 54 bornes. Et voilà quoi, ça va être sympa. Petite partie glaciaire, bon, je pense à faire de nuit, ça va être un peu dommage pour le paysage, mais ça va être bien quand même, on va se marrer. Il a pas l'air léger ce sac là. Ça va être bon. Si, ça va. Pourquoi il est lourd là? Il y a quelque chose de particulier, non? Il y a tout notre matos pour deux jours de trekking plus les activités montagne via ferrata, crampons, chaussures, etc. Donc voilà. Ça pèse son petit poids quoi. Ouais, là ça va être dingue. On va surtout cramer par contre. Donc la météo sera clémente et elle sera avec nous. Les deux aussi le long de la rivière. Que chacun a un rôle à jouer, chacun a des compétences différentes, des métiers différents et on va tous se servir de ça en fait pour apporter un plus à l'équipe, que ce soit en termes financiers, en termes matériels, en termes humains, etc. Et tout ça en fait va créer une grosse alchimie et ça va donner un peu lieu à un nom d'équipe. Et après ce nom d'équipe, on va essayer de le faire grandir et de se trouver des objectifs. Et après c'est avec ces objectifs qu'on va grandir. Le CP3 est installé à l'hospice du Petit Saint-Bernard. Ce lieu d'accueil et de protection symbolique est toujours de mise, comme par le passé pour le voyageur qui devait s'engager sur ce col, jonction de vallées ancestrales, la Tarentaise et le Val d'Aoste. L'objectif, c'est pas de se faire mal, c'est d'y aller tranquille. C'est pas ici qu'on va
qu'on va gagner des places ou quoi que ce soit. Par contre, on peut perdre le raid en, en se blessant bêtement. Donc, voilà. Là, on prend chaque étape une par une. Sans trop se projeter trop loin. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est d'arriver sur le glacier avant la nuit. Si possible, de le faire avant la nuit. Donc, de terminer avant 22h. Et d'avoir un beau coucher de soleil sur le glacier, ce serait parfait. Ce serait un beau cadeau. Donc encore, encore 24 heures de trek à peu près. Si tout se passe bien. Je trouve que le Raid in France est vraiment un raid d'expédition, dans le sens où on part d'un point A, on arrive à un point B. Je trouve que ça, c'est déjà énorme par rapport à un parcours en boucle. Je trouve ça beaucoup plus sympa de se dire que, voilà, de toute façon, il faut y aller, on n'a pas le choix. Si on veut franchir la ligne d'arrivée, il va falloir franchir tout le parcours. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, le fait de varier les épreuves, de se dire qu'à un moment donné, on a notre matériel de haute montagne avec nous alors qu'on fait du trek, on a notre matériel de packraft alors qu'on fait une autre épreuve. Enfin, voilà, tout cet esprit-là de portage, etc., c'est vraiment ce qui donne, en tout cas, les allures d'un raid d'expédition. Passé l'amphithéâtre qui encadre le lac sans fond, le tracé va gagner la vallée Le Fornay, annoncée par la cascade de Beaupré. Ici, la navigation est reposante. Objectif visuel, col de Louillon, juste en dessous de la naissance du ruisseau Le Versoyen, qui a accompagné, voire bercé toutes les équipes. J'avoue que la beauté du lieu ferait presque oublier la lourdeur du sac à dos. Ça, c'est presque, j'ai dit. Que franchement, là, je pense qu'on n'est pas loin des 25 kilos, voire même plus. Tout le matos obligatoire, toute la nourriture du trek, tout ce qu'il faut quoi. Mais bon, là ça va, c'est cool, on a repris un bon rythme. Parce qu'on a très peu dormi là, on a même presque pas dormi la nuit dernière. On a dormi une demi-heure tout à l'heure et ça a remotivé les troupes. Ok, ouais, donc. Et en fait, le manque de sommeil, on le voit direct dans la progression de course, ça nous a directement impacté, même au niveau du moral des troupes. On a carrément commencé à se disputer. Voilà, ça fait partie aussi des fois de la vie d'équipe. On est à 4 en permanence ensemble et avec un mental qui est souvent poussé à bout. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui arrivent. Après, il faut juste savoir rebondir et c'est justement grâce à ça qu'on avance encore mieux. Petit à petit aussi à se découvrir comme on n'a jamais couru ensemble. Ça c'est assez chouette, il y a tous ces avantages et ces aléas. Mais du coup c'est cool, là, déjà 24 ans ensemble et voilà, on est encore ensemble. Ici, ce ballon isolé de toute nuisance va donner à pas mal d'équipes l'envie de pause, voire de tranches de sommeil réparatrices. Mais non compté dans le sommeil obligatoire. Celui-ci est pris exclusivement sur les checkpoints et les aires de transition pour être décompté du contingent des 8 heures obligatoires pris sur l'ensemble de l'épreuve. Une gestion du sommeil qui est un des paramètres essentiels de la cohésion et de la progression de chacune des équipes. Allez, go, GF.
parfois on tient 36 heures sans dormir, mais là avec la chaleur, le dénivelé, les portages, on a besoin surtout que le corps redescende un peu en régime en fait. Plus que de dormir je pense, il faut que le cœur redescende un peu de régime et puis on peut repartir. Au début on est sur la crête. Mais c'est de l'autre côté qu'il faut. Là on est au col de C. Au début on part sur la crête, et après une courbe de niveau. On continue de monter sur le flanc gauche. À ce stade de la course, 5 équipes sont en approche de la traversée des glaciers pour atteindre la petite aiguille du même nom. 400 Naturex a gagné la tête. Suivent 2 groupes de 2 équipes qui cheminent presque ensemble. À 35 minutes, c'est Absolu Raid Aventure et l'Ozer Team de Raid, et à 1h15, suivent les Bibim Team et les Estoniens de Seiklunshund on Air Power. Juste vous encorder votre longe. Oui. Il y a 200 mètres. Ce passage en haute montagne, sur glacier, est attendu, mais aussi redouté. C'est le point culminant de la balade, engagé à 3465 mètres. Et pour certains, c'est une première. Première fois, mais ça va aller. Je suis bien accompagné. Il faut s'encorder pour monter là ou pas? Bien sûr, on est sur le glacier. On s'encorde bien, Clara, tu veux passer en deuxième? Oui. Merci pour l'accueil. On vous lira tout le monde, hein. C'est le plus sympa ici. Hein. Carrément. C'est une expérience rare qui est proposée aux compétiteurs de Raid Expédition. C'est un terrain d'aventure naturel, repéré de longue date, qui reste sous haute surveillance météo et encadré comme toujours par les guides référents et accompagnant tous les Raid in France. Des points secrets, je ne sais pas si c'est secret, mais les points qui ont guidé un petit peu le dessin du parcours. La première chose, c'est la haute montagne, parce que faire une édition Savoie-Mont-Blanc sans qu'il y ait une partie glaciaire, pour moi, ça me semblait complètement inconcevable. C'était de chercher un glacier qui soit un beau glacier, relativement accessible, qui soit ambitieux sans être trop ambitieux. Donc on s'est tourné vers le glacier des glaciers, qui est au bout de la vallée des Chaptieux, qui est quand même un endroit absolument magique. Très froid là cette nuit, on n'a pas trop bien dormi ou voire pas dormi du tout, donc c'était la deuxième nuit, donc là, il va falloir dormir un peu. On essaie par petites touches rapides. Au petit matin de ce troisième jour de course, Naturex 2 approche de la Via Ferrata du Rocher du Vent. Ils sont à environ 6 heures des premiers. Par là même un peu plus haut, ce sera plus facile là-bas. Leur emboîte le pas, les équipes d'Absolu Raid et d'IC Raid, tous deux d'Occitanie. Moi j'ai dormi un peu, mais compliqué quand même. Et là, bon, eux ça va, mais moi je suis encore fatigué. On n'est pas tous super en forme, donc
On verra ce que ça donne. Ouais. La météo vire au brouillard et au mauvais temps. Elle aura permis à toutes les équipes de sortir du glacier. Celles qui ont tout fait pour passer la barrière horaire de 3h du matin de ce long trek de haute montagne de 53 km avec près de 4500 mètres de dénivelé sont récompensées par cette Via Ferrata à couper le souffle au-dessus du mythique col du Cormet de Roseland et de sa grande retenue d'eau totalement invisible pour l'instant. Même, c'est ce que... Les deux de la rivière, il faut trouver, on n'a pas le droit de prendre la route, donc il faut trouver un moyen de traverser la rivière. Donc on a été trois ici, refuge du plan de l'Allais. On a sept équipes qui sont passées ou qui sont en train de passer. Première équipe, Naturex, qui est passée 3h34. Deuxième équipe, Absolue Raid Aventure, 6h22, l'heure de départ. Troisième équipe, Lozère Team de Raid, 7h36. Et là, on a quatre équipes qui sont sur le départ actuellement ou en train de dormir sur site. On a fait une section digne du Rif, 52 km 26 heures, 2 km heure. Donc on est pile dans le timing. Et voilà, c'était une belle balade, on a vu du pays. Hein. It's been really hard. The trek was really hard for us because we were struggling with heat and elevation too. In Estonia, we don't have any elevation and we came straight here and straight to over 3,000 meters, and that was really hard on our bodies. But otherwise, we had a really good sleep, and hopefully today will be better. Bon, c'est un peu le milieu du raid, là, ça commence à... le rythme baisse, c'est un classique. Hein. Ouais. Et du coup, là, on sent que le temps défile. Quoi. On a un souci digestif habituel, mais qui va se résoudre, on y croit. Et de toute façon, fort bien profiter de la suite. Vous allez dormir là, non? Ou vous allez tracer? Non, on va tracer là, on n'est pas fatigué là. On a bien envie de faire du vélo là. Deux jours. Parce qu'on a fait le premier quasiment tout de nuit. Donc. On va essayer de le faire deux jours, c'est ça. Je vous prends le passeport. Est-ce que vous savez si le médecin est par là? Il y a un infirmier. On va vous l'appeler. C'est une très bonne capitaine dans le sens où, effectivement, en termes de motivation, de cohésion d'équipe, elle arrive toujours à nous remettre un peu dans le droit chemin et puis de se dire « Ok, là, c'est pas grave ce qui vient de se passer, on se remet dans les clous pour autre chose et puis on avance. » Et je pense que c'est vraiment le rôle d'un capitaine. Ça, c'est bon. Donc, crampons grosses, on met de côté et les piolets. Dans la partie technique ou dans la partie transition, etc., chacun a son rôle et chacun le connaît. Par contre, voilà, pour garder une globalité, une cohérence globale, je pense que son rôle est très important et elle le fait très bien. Et sur l'orga, c'est quand même souvent toi qui drive quel matos on doit prendre, qui nous remet quand même un peu de pression, même si un peu de rythme, même si des fois c'est un peu trop de pression aux transitions. Regarde dans la pharmacie de Rab. Ça sent le réveil? Ouais. Ça va? Ça fait du bien? Un réveil pour ceux qui ont réussi à dormir. Combien de temps vous avez pris de repos là? Je sais même pas moi. On voulait essayer que Joseph dorme, mais ça n'a pas fonctionné encore. Mais du coup, c'est moi qui ai dormi un petit peu. Mais je sais pas combien de temps. Ça fait combien de temps qu'on s'est posé dans la tente, Joseph? Bah, ça va faire une heure de décompter. Et t'as pas réussi à dormir toi? J'ai un peu de problèmes avec le sommeil et là c'est pas top la forme. Roseland est un ancien village disparu qui a donné son nom à ce quatrième barrage de France. Il est entouré des 39 alpages restants après l'engloutissement d'une quinzaine d'entre eux dans les années 60 pour faire naître ce miroir d'eau turquoise qui fournit toujours plus de 500 millions de kilowattheures propres par an. Les tarines et abondance, seules vaches habilitées à produire plus de 5500 tonnes de Beaufort, dont certaines équipes portent des échantillons dans leur sac,
joue le concert quotidien d'un lieu qui en devient envoûtant. Là, t'as la nausée. Et derrière le son des cloches, on croit entendre des voix, des copains, des sauveurs. Ça va, et on va trouver des solutions. On est en recherche de solutions. Vous avez pas d'antivomissif par hasard, du Vogalen? Si, moi j'ai du... pas du Vogalen, mais j'ai du Clopartrachine. Oh, il est joli en plus. Regarde, il est tout mignon. Ça va pas méga fait effet chez Etienne, mais... voilà. Tout le monde est dans la même galère en fait. Et du coup, c'est pas vraiment une histoire de classement ou autre, donc voilà. Puis ça fait partie des petits moments sympas de pouvoir discuter avec les autres équipes. Ça fait du bien. De toute façon, on avait vu sur les vitesses de progression que ce serait long et que du coup ce serait pas roulant, on le savait à l'avance. Et puis après, c'est la logique globale sur cette portion-là, quel va être le moyen de locomotion le plus pertinent. Et ça ne veut pas dire que sur 100% du parcours, ce sera le moyen de locomotion le plus pertinent. Mais bon, on a eu tout, hein. On a eu à côté de ça des très belles descentes en VTT, on s'est régalé. Et donc, à partir du moment où on a ça, nous, on peut accepter tout le reste, il n'y a pas de problème. Là. Alors, on est arrivé ce matin à 4h50, ouais, par là à peu près, et jusqu'à demain, théoriquement, demain matin, 8h. Donc, on va passer la nuit ici, on va faire des relais, c'est bien, on est trois, on va pouvoir faire des relais. 24h. Ouais, voilà, 24h. Je ne peux pas faire ce qu'ils font, je ne suis pas capable, donc je vis l'aventure d'une autre façon. Et j'adore ça, être là, les attendre, discuter avec eux. Ils sont toujours la banane en plus, ils sont super sympas. Voilà. Puis j'étais jamais venue ici, j'ai découvert un nouvel endroit. Parce que là, quand c'est pas bouché, c'est super joli. J'ai vu des marmottes ce matin. Donc voilà, moi ça suffit à mon plaisir. C'est ça. Et c'est 400 km ? Non, patate, omelette patate, c'est parfait. C'est magique, merci. Ah, c'est génial, c'est le plaisir du raid d'aventure. Avoir suffisamment de temps pour pouvoir profiter quand on peut. Et ça requinque surtout, parce que bon, à force de manger des barres de céréales, des pommes potes, des cochonneries, je pense que notre estomac il est content d'avoir de la nourriture saine. Puis au rendez-vous à la passerelle himalayenne du lac Saint-Guérin, après le col du coin et de la bâtie. Objectif, le pont de Grignon, pour une courte section de packraft, toujours sur l'Isère. En remontant la course, c'est Absolu Raid Aventure qui pointe en second et vit sa course dans le brouillard, mais aussi dans la joie. C'est son anniversaire. Ah oui. Non, c'est vrai. Eh ouais, le plus beau des anniversaires. Bon, on voit rien, mais bon, c'est quand même cool d'être là. Sport, les copains, une bonne aventure, et c'est top, le plus beau des cadeaux. Juste réfléchissez la prochaine fois qu'on voit la caisse packraft. On essaie de bien ranger les affaires, donc packraft dans un côté, gilet dans l'autre, et un état avec les choses pour les camions. Thank you.
Toujours devant, 4 centimes Naturex, qui a guidé Grignon à 13h, conforte sa place en tête, avec un matelas d'environ 5 heures sur ses poursuivants. Ce second trek a été déclaré d'une orientation ardue par l'organisation. 54 km à tracer dans les forêts, à flanc de montagne, puis dans les alpages des Bauges. Les trois orienteurs de 4 centimes sont prévenus, comme tous les autres. T'as fait gaffe à ça ? Bah, ça veut dire qu'il faut passer par là. Passer par là, au-dessus de la zone. C'est pas la même. Est-ce qu'il y avait des parenthèses ou il n'y avait rien ? Non, il n'y avait rien. T'es sûr ou t'as pas fait gaffe ? Je suis quasi sûr, il m'a dit qu'il y a juste la zone interdite et la 44. Ouais, mais alors ça, eux, ils ont peut-être pas fait gaffe. Pourquoi il n'y a pas d'autres traités ? Non. Si, il y en a un, mais on sent plus, ça. Mais là, il y a un moment en fait, qui s'est passé en plein milieu du raid et qu'on pourrait ne pas y porter attention. Mais pourtant, il y avait toute une ambiance globale autour de ça qui a fait que j'ai trouvé ça assez magique. En fait, on est passé aux alentours de 23h devant l'abbaye de Tamiers. Et avec nos petites frontales sur un petit chemin entouré d'arbres. Et là, on a entendu un chant des moines de l'abbaye. Et c'était juste incroyable, en fait, l'émotion que ça dégageait. Ça, clairement, c'est pas en y allant moi tout seul que j'aurais découvert ça. Et on peut dire que c'est grâce à Raid in France que j'ai pu vivre un moment comme celui-ci. Je suis Frère Jean Ménilde. Je suis archiviste depuis une vingtaine d'années et je suis un des rares à être originaire de Savoie. Et l'abbaye de Tamiers date du XIIe siècle. Les moines sont arrivés ici en février 1133. Nous sommes ici dans un vallon à 900 mètres d'altitude. Et de chaque côté, il y a des montagnes, ce sont les Bauges. À l'ouest, il y a l'Arcalo, qui est le point culminant de la région à 2200. Et de l'autre côté, c'est la Belle Étoile aussi. Quand on est au sommet de ces montagnes, on a vraiment un panorama extraordinaire. On arrive à voir le Mont Blanc, le lac d'Annecy. Au moins une fois par mois, on sort en montagne, tout seul. Et vraiment, là, on peut rendre grâce à Dieu de sa création. Puis aussi, physiquement, c'est intéressant, quoi. Il devrait aller... À combien on est, tu dis ? 1400, 1100. Ouais, 1000, moi j'ai plutôt 1100. Moi je pense qu'on est au bout du cul-de-sac. Ben, c'est pas un cul-de-sac en fait, ça fait un aller-retour. 1120. Moi j'ai. Ce dont on est sûr, en général, c'est le relief et les cours d'eau ou les ruisseaux. Quoi. Donc, ce chemin-là, il t'amène sud. Là, si on est un peu perdu et qu'on arrive à se recaler sur ces points-là, c'est bonheur quoi. Oui, mais si on est à l'épagle, il faut qu'on bascule à droite, il faut qu'on traverse la vallée au niveau de l'épagle. Apparemment, le petit single qu'on vient de prendre, il n'était pas carté, donc... Des fois, il faut tenter le coup, Raid in France, et puis on tombe sur des chemins qui sont pas cartés, qui vont dans la bonne direction. Il y a l'intuition, parfois. T'as vu sur la carte qu'on doit faire 400 mètres comme ça, et comme ça, ou ouais. Couper. Quand on arrive à pouvoir proposer des progressions, enfin poste à poste, hors sentier, c'est très satisfaisant pour l'organisateur de pouvoir proposer ce genre de choses où vraiment c'est l'orienteur qui va faire la différence, quoi, et pas que le physique. Non mais ça en fait, moi je pense que c'est le sentier. Quoi ? Où ça ? Je pense que c'est le très pointillé. Où ça ? On aperçoit là ? Ouais, ici, pas ce vallon quoi. Là, ouais. Vas-y, cette direction-là, elle est bien.
Il est peut-être quelque part dans le coin, mais je suis pas sûr qu'on soit dessus. Et puis après, ici, dans cette forêt-là, je sais pas si on est... Là, il y a des lignes rouges. Là. C'est pénible, totalement. En tant qu'orienteur, c'est génial. Quand on est dans du hors-sentier, que ça enchaîne, on trouve les bonnes progressions. Je pense qu'il est un peu bas. Et que ça marche. C'est des moments, quand on est derrière la carte, c'est des moments déments, quoi. C'est vraiment pour ça qu'on fait du raid. Alors forcément, des fois, bah, ça marche pas et on tourne en rond pendant des heures. Mais ça fait aussi partie, de la course. 4 centimes Nature X2 aura mis 21h25 pour venir à bout de ce trek qui, comme promis, entre douceur des paysages et orientation chahutée, a maintenu les équipes en éveil du moindre indice de terrain. Les temps estimés par l'organisation étaient pour les premiers de 14 heures et plus de 24 heures pour les dernières équipes. Les 3, 4 et 5e places fluctuent au gré des croisements entre les Bibim Team, les 4 centimes Nature X2 et les Estoniens de Seklunchunt von Epower. Trois équipes qui se challengent amicalement et font surtout leur course. This is the first time in this race when we go to like to the shop or something, like buy something. So we were hoping to go to Annecy, but we passed from up there. Après cet échauffement de 54 km, deux ateliers de refroidissement des organismes sont à enchaîner. D'abord, une progression dans le canyon des gorges du Chéran, puis sans transition, s'engager dans la grotte de Pré-Rouge pour un aller-retour balise. La tête de course est bien installée. 4 centimes Nature X fait cavalier seul. Quand on l'a trouvé, cette balise là au milieu de nulle part, dans un petit site qui te sent. C'était laquelle ? C'était la 26. La 26, c'est les balèzes. Balèzes de nuit. C'était. Ouais, c'était cool. Derrière, Absolu Raid perd du terrain et maintient l'écart avec trois équipes qui se tiennent, après l'abandon de l'Ozer Team de Raid. Là, t'as eu laquelle, la K1C ? K1C, celle qui est à côté du lac. Donc la K2C, tu dirais qu'on continue celle-ci ? Ou au-dessus ? Oh, au-dessus. C'est quoi le kit, ton code ? Enfin, comment tu sais ? On a un peu penché, mais... Aux portes de la nuit, les Bibim Team sont en approche du canyon. Ils rejoignent les Seklunchunt von Epower, tout équipés. Ils vont s'engager à leur tour, suivis de près par 4 centimes Nature X2. La fatigue et la nuit commandent d'autres facultés. Il faut savoir encore puiser dans ses ressources et sa force de concentration. Quoi, c'est quoi que j'ai fait ? Thank you.
Au petit matin du quatrième jour, les 4 sentinelles Naturex maintiennent le rythme des premiers, fixés sur l'objectif. Après une soirée de marche aquatique, dans et sur les berges du Chéron, une section de liaison en VTT, une descente sur les Launes du Rhône en packraft, les voici sur le canal de Savières pour une longue navigation avant l'arrivée. Ce canal est la jonction entre le lac du Bourget et le Rhône. Sa particularité est de servir à la fois de soutien au niveau du lac et d'écréteur de crue pour le Rhône. Un savant dispositif hydraulique pour un ouvrage devenu très touristique. Loin derrière, les Absolus Raids en ont fini avec les gorges du Chéron. Ils attaquent la section packraft sur le Rhône et sont aussi confiants. Il faut rester concentré jusqu'à la fin et motivé parce que c'est quand même une grande tirée, mais il ne peut plus rien nous arriver. Encore 4 heures plus bas et presque roue dans roue, les Estoniens et les Bim-Bim Team sont dans la section VTT. Les Bim-Bim ont eu de la casse sur un vélo. La réparation tiendra-t-elle? Les deux équipes savent que le chemin est encore long. Eh bien, manifestement, on serait aux alentours de la troisième position. Donc, ça nous motive quand même. Pour nous endormir, là. Et garder le rythme. Parce qu'on sait que les Estoniens, ils sont en chasse. Enfin, il y aura kayak. On n'a pas les très gros bras. Donc, il faut qu'on prenne un maximum d'avance. Alors moi, j'ai eu un petit pépin mécanique ce matin. En fin de section VTT, j'ai perdu un écrou de la suspension arrière. Et tout à l'heure, on a réparé pour cette section avec un petit morceau de bois. Donc là, je suis en train d'essayer de terminer le Resin France grâce au soutien d'une petite branche de la taille d'un petit doigt. Peut-être elle qui va nous sauver notre aide. Je touche du bois. Encore plus en arrière, l'équipe d'Outdoor 07 continue son parcours initiatique sur une des surprises de cette édition. Cette section packraft s'est transformée par magie administrative en marche aquatique pour faire vivre à chacun un riff qui se révèle toujours magique. Née dans le massif des Bauges, toujours naturel, préservé et protégé, cette rivière sauvage va enchanter toutes les équipes des premières aux dernières. Dans la team, on a tous eu des petits moments de moins bien, mais là on est super content d'avoir réussi à passer la ligne des 20 heures hier pour être en full course. Et du coup on est trop content. Là il reste que des trucs sympas, donc c'est top. Des fois on passe par des instants où on comprend pas trop ce qu'on fait là. Puis là on a des sections comme ça de 2 heures. Puis c'est incroyable quoi. Physiquement ça permet de relâcher un peu aussi. Ça permet juste de contempler et ça c'est juste parfait quoi sur un raid comme ça. Et justement les moments durs font qu'on va retenir encore plus ce genre de moments. Et c'est pour ça c'est vraiment incroyable quoi. Le décompte a commencé pour préparer l'arrivée des premiers. Pascal a vérifié la proximité du premier flacon de bulles qui doit célébrer la première équipe de cette 11e édition. En approche, les 4 sentinelles Naturex devinent le point d'arrivée. Sandrine Béranger, Mathieu Bajard, Jean-Noël Poméon et Sébastien Réchon boucle ce parcours de 392 km pour 16 500 mètres de dénivelé positif en 12 sections, 168 km de VTT, 112 km de trek, 82 km de packraft et de kayak, 25 km de marche aquatique en 92 heures et 22 minutes. C'est leur 4e victoire des 11 éditions de Raid in France. C'est un Raid in France de plus, de terminer.
On a trouvé exactement ce qu'on venait chercher, quoi, c'est-à-dire un tracé engagé, technique, qui nous a procuré des émotions multiples, quoi. Et du début à la fin, chaque jour, on en prenait plein les yeux et plein les jambes. Ça, c'est sûr que ce Raid in France, on s'en souviendra toute notre vie, tous les quatre. C'est un raid qui va nous lier à tout jamais. Et ouais, c'était fort, quoi. À la nuit tombée, 11h35 plus tard, les seconds posent le pied sur la berge. C'est l'équipe d'Absolu Raid Aventure qui boucle ce riff en un peu moins de 104 heures. Ils ont fait leur course, ils savourent. Pour moi, quand on s'engage sur un riff, il faut vraiment être prêt à tout. Dans les côtés, ben, sur l'Isère, à la partie kayak, il faut vraiment être bien entraîné en kayak. Il faut savoir faire de la montagne sur le glacier, il faut savoir faire des treks montagne, il faut savoir porter des vélos pendant des heures. Il faut être prêt aussi physiquement, mais surtout mentalement aussi pour les riffs. Plus tard dans la nuit, sans rien lâcher et sans oublier en fin de course, la casse d'un VTT devenu magique, car équipé d'un axe en bois de fortune, bref, il fallait y croire, les Bibim Team sont bien là, après 108 heures et 44 minutes de bonheur à partager. Moi, ce que je retiens déjà, c'est la beauté des paysages. C'est des paysages qu'on connaît parce qu'on est un peu tous de la région. Puis après, en termes d'esprit d'équipe, on n'a pas eu de coup de mou. On est resté dans un rythme régulier de A à Z et c'est vraiment ça qui était impressionnant. C'est qu'on a notre routine, on commence à se connaître. Et voilà, le raid m'a paru assez fluide dans toute sa lignée depuis samedi jusqu'à jeudi matin. Au petit matin, c'est l'équipe estonienne, les Seklundschund One Power, les loups d'aventure, le pouvoir du miel. Ils approchent, seulement 2h30 après les Bibim Team, alors qu'ils ont fait le yo-yo avec eux tout au long du parcours. Mais cela est déjà oublié, ils n'en parleront même pas. Cette quatrième place a bien le goût d'une épreuve dont ils connaissaient déjà toutes les exigences. We saw all the nice places here and got to do different things. One day woke up in the glacier and other day rafting and then in the canyon and in the caves and it was interesting. On a souffert ensemble, on a marché ensemble, on a fait plein de trucs ensemble. Et c'est vrai que la fin de la section était vraiment pas évidente de nuit en kayak avec l'orage. Elle était même bien sous tension, et je parle pas des orages de là-haut. Mais voilà, là j'ai dit non mais on peut pas arriver comme ça sous tension, enfin c'est pas possible. Et du coup j'ai regardé l'équipe, on avait passé quand même 5 jours incroyables ensemble. J'ai dit non mais là les gars, faut juste qu'on profite. Et puis voilà, on verra ce qui se passe en franchissant cette ligne. Toujours ce moment de franchir la ligne, c'est un peu découpé tout ce qu'on a fait par le passé, un peu une explosion de tout ce qu'on a traversé, quoi. Donc pour ça, j'y reviendrai. Revenir, c'est le mot d'Antoine, qui avec son équipe boucle sa première full race. C'est aussi la pensée de nombre de compétiteurs, de bénévoles. Ils ont un espoir en commun. Que cette aventure exigeante se poursuive et qu'elle permette à toutes les équipes, du premier au dernier, de savourer son riff à son rythme. Merci Pascal, merci. Merci. Cette philosophie a fait naître une nouvelle génération de compétiteurs qui relèvent le défi du riff aujourd'hui avec humilité et détermination. Elle a fait émerger de jeunes compétiteurs empreints de l'esprit des raids expédition. À l'arrière, l'aventure continue pour les compétiteurs et toute l'organisation. Raid in France doit être toujours magique pour tous. On ne s'est pas vraiment posé la question de savoir si on allait continuer, enfin ou recommencer, dans quelles conditions, enfin tout ça. On rêve de certaines choses.
On a déjà fait 11 éditions, ça fait 15 ans à peu près d'organisation. C'est une tranche de vie hein, quand même, malgré tout. Je sais pas, de l'extérieur ça paraît pas, mais c'est quand même une année d'investissement quasi 100%. On ne fait pas grand chose d'autre à côté de ça. Donc on a besoin de se poser pour prendre les bonnes décisions au bon moment.